Et salut à tous mes petits potes, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, mes amis, nous allons tout simplement devenir apprentis jardiniers. Ouais, c'est une fierté, c'est un rêve de gosse, ok? Et salut à tous et à toutes mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour une nouvelle game sur Fortnite. Et cette fois-ci, nous allons tout simplement partir à la découverte, j'allais dire à la recherche, non pas du tout. Je me suis cru dans le temple perdu là. Nous allons tout simplement partir à la découverte d'une nouvelle zone, mesdames et messieurs. Une zone que nous n'avons pas découverte, qui se situe ici, mesdames et messieurs. On dirait une espèce de... ouais, de petite ville, on dirait. Ouais, une espèce de petite ville. Du coup, on va... non, plutôt un hangar en fait. Non, en fait, plutôt une caisse en fait. Non, on va se rendre dans cette zone parce que peut-être qu'il y a un laboratoire secret, mesdames et messieurs. Peut-être que c'est la zone 51, qui sait. On sait pas, mesdames et messieurs, on sait pas. Donc c'est parti. Wallé! Attention, donc on est toujours chaud avec nos pieds toujours dégueulasses, hein, parce qu'on marche pieds nus, hein, il faut le savoir. Alors, comme les japonais... Excusez-moi, alors, qu'est-ce qu'on a par ici? What the fuck? Attendez, c'est quoi cette zone? En fait, c'est une zone résidentielle où il n'y a rien du tout. What the fuck? Mais attendez, mais je suis tellement déçu. Attendez, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est une infrastructure personnelle érigée par Victor Hugo, en fait. Eh, le dragon, là, casse-toi de là, wesh. Eh, tu m'as pris pour ton pote ou quoi? Eh, dégage. Mais t'es cash, wesh! Mais c'est un malade ce garçon! Et je vais le défoncer! Et je vais le défoncer! T'es le mec qui est trop vénère! T'sais. Oui, attendez, il y a une petite zone de paradis là-bas, c'est pour nous! Ok, hop là, on est chaud! Wallé! On va aller voir ce qui se trame par là-bas! Hop là, c'est chaud! Hop là, on est chaud! C'est parti! C'est parti, mesdames, messieurs! Putain, l'eau elle est jaune là, par contre, putain, on dirait de la pisse en fait! Ok, attention, là il y a un coffre pour nous déjà! Hop là, allez, merci, voilà, ça fait plaisir, on a déjà une bonne arme! Hop là, alors qu'est-ce qu'on a par ici? Donc voilà, une nouvelle arme, ça fait plaisir! Hop là, on fait ça! Et on fait ça, voilà. Alors attention parce qu'il risque de venir directement vers nous. Hop là, schlac. Donc attention, voilà, nouvelle arme. Tac, tac, tac. On se met bien. On remet ça comme il faut. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, très bien. Ok, apparemment c'est tout. Ah non, il y avait quelques munitions. Donc on va les prendre. J'ai dit on va les prendre. Voilà, merci. Hop là, c'est chaud. Alors attention. On est bouillant, mesdames, messieurs. On va aller voir du coup. Hop là, alors attention. C'est parti. Hop, en plus, il y a une bagnole qui nous attend. Ça fait plaisir. Hop là, alors, du coup, dans cette petite zone, qu'est-ce qu'on a de beau, mesdames et messieurs, dans cette petite zone? Attendez, putain, il y a une arme de fou, là. Ah, salut! Donc, évidemment, qui dit arme de fou, dit joueur à proximité, évidemment. Alors, attention, attention. What? Ah oui, d'accord. Frérot, excuse-moi, mais, voilà, ok, voilà, excuse-moi, frérot, c'était juste pour savoir si t'allais bien, tu vois. Alors, donc, oui, donc, je disais, ah, voilà, il est là, elle est là, là, il y a une arme de fou, par exemple. Donc, on disait qu'il y avait une arme de fou là-haut. Donc on va aller la prendre. Voilà, ça fera une deuxième arme bleue. Voilà, merci beaucoup. Donc on disait donc qu'il y avait une arme bleue. Le mec qui se perd dans ses explications, tu sais. Alors attention, hop, voilà, hop, voilà, ça fait plaisir. Donc on y va, voilà, on va pouvoir enfin découvrir la nouvelle zone qui est là-bas. Donc voyons voir ce qu'on a de beau, mesdames et messieurs. Alors attention. Nouvelle zone tranquille ou pepperoni. Donc on va voir tout ça. Ouais, parce que les pepperoni, tu vois, ça se met dans la pizza et tout, c'est sympa. Alors donc, je disais, hop là, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Putain, les barrières, c'est plus solide que l'espace-temps ou quoi là? Mais what the fuck? What? Bah, attendez, mais c'est le Far West ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Bonjour à tous. Dick. Ah, je vois un coffre en bas. On va aller le prendre. Derrière un piano. Ouais, c'est le Far West ici. C'est le Far West. Tu peux pas comprendre, frérot. Donc, on a dit, hop là, on va prendre ça comme ça. Hop là, quelques munitions. Voilà, ça fait plaisir. Le feu. On peut défoncer la cheminée. Vous pensez qu'il y a un truc caché derrière? Non, pas du tout. Ils ont brisé mes rêves, wesh. Ouais, c'est en fait, c'est un peu une zone de Far West ici. Eh, hey, salut, frérot, tu vas bien? Salut, ouais, ça va, ouais. Je l'ai pris au dépourvu, le pauvre. Comment on a fait, comment on m'a fait dans la dernière game, en fait. Hop là. Donc, excuse-moi, frérot. En plus, il avait une pauvre arme grise, le pauvre. Moi, j'avais une arme bleue. Ah, je suis désolé, frérot. Mais bon, d'habitude, je fais pas ça. Mais bon, vu comment on l'a fait, bah voilà, je suis vénère, tu vois. Oh là là, la zone pas mal, là. Eh, hey, pas mal, la zone, là. Avec quelques popos et tout, ça fait plaisir. Hop là, schlac. Schlac. Eh, ça donne 10 de popos, ça. D'accord. Hop là, ça fait plaisir. Ok. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord. Ah, d'accord. Salut, ça va, tu vas bien? Salut frérot. Putain, il a voulu me faire coucou le mec. Mais il est sorti d'où, n'empêche, c'est quoi ça? C'est un poisson, d'accord, c'est un poisson. Ça se mange? Ouais, je crois, ouais. Ça se mange, ouais. Attendez, bon, on va le prendre, voilà, parce que je suis curieux. Ça donne à mon avis des popos, ça. Enfin, ça donne du bouclier parce que c'est un poisson bleu, en fait. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, donc, on disait donc ah ben voilà, tiens. Hop là, merci, voilà, ça fait plaisir. Putain, il y avait deux coffres ici, enfin plutôt un coffre et une zone un peu cachée comme ça. Hop là, schlac, voilà. Donc ça fait plaisir. Tac. Ça donne sur quoi? Ça donne sur les chiottes, très bien. On va poser une pêche ici. Vous imaginez, il y a un joueur qui arrive et on est là. Hop là, on pose sa pêche comme ça et on le tue. Ah, oh, ce serait énorme.
Je vous attends au tournant, les mecs, hein. Ok, bon, on va aller voir d'autre côté, du coup. Ah ah, intéressant, mesdames, messieurs. Enfin, intéressant, pas trop, en fait. Il m'a donné que des impôts, oui. Cette zone sympa, les wesh. Les wesh, ça veut rien dire. Hop là, excusez-moi. Voilà, je viens en paix. Ah, putain, laissez-moi sortir. Je fais un créneau, bordel, voilà. Le mec a pas compris ce que c'est un créneau, tu sais. Alors, donc, excusez-moi. Donc, je disais. Monsieur, maintenant, je peux venir vous rencontrer, si vous voulez. Mais bon, comme par hasard, il sera parti. Eh ben oui, le monsieur sera parti. Eh oui, forcément, tu vois. Eh oui, c'est pas... Eh oui, c'est des peureux, tu vois. Par contre, j'ai... Ah ouais, j'ai... le carburant, c'est chou, là. Bon, attendez, vous inquiétez pas, on va trouver une nouvelle bagnole. Eh, attendez, en parlant de nouvelle bagnole, il y a un copain, là. Salut, mec, tu vas bien? Ouais, je m'en bats les steaks de ta vie. Complètement, voilà. Excuse-moi, frérot, je t'ai ignoré, mais je t'aime pas. Désolé, mais voilà. Oh, tu peux la défoncer, hein, de manière, il y a presque plus de carburant, mec. Attendez, est-ce qu'il va réussir à me la détruire? Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Hop là, alors excusez-moi. Voilà, je viens en paix. Ma voiture, elle va très bien. Hein. Voilà, ne paniquez pas, mesdames et messieurs, ma voiture va très bien. Voilà, y a pas de soucis, tu vois. Voilà. Y a pas de soucis particuliers. Hein. Oh putain, je sais pas là. Ouais, là, par contre, y a un petit souci. Hop là, du coup, on est revenu. On est parti du côté Tilted. Là, on a fait une ligne droite, frérot, laisse tomber. Hein. Alors, y a. Wallé, c'est parti. Attention. Ouais, est-ce que tu peux me filer ça, s'il te plaît? Hop là, donc ça fait plaisir. Hop là, merci frérot. Hop, il y en a une autre par ici. Hop là, il y en a une autre par ici. Nickel, voilà, ça en fait. Voilà, là on va pouvoir se mettre bien. Attention, donc, est-ce que le poisson peut se le prendre? Ah non, punaise, ouais. Ah non, c'est les PV? Ah non, c'est un truc à PV, ok, j'ai rien dit. Voilà, hop là, ça fait du bien par où ça passe. On va se mettre à 100 boucliers, ça fait plaisir. Merci les frérots. On est chaud. Un papillon. Ah ouais, Odin Schinsel. Ah ouais, ça c'est un allemand ça. Alors donc, hop là, qu'est-ce que... Ouh, ah oui, là on se met bien. Schlack, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ah oui, on se met bien avec ce genre de... d'arbre là, de ce genre de graines plutôt. Ouais, celui-là sera mieux. Allez, hop là, trois armes bleues, ça fait plaisir. Hop là, un stuff rempli d'armes bleues, incroyable. Excusez-moi, je prends une nouvelle graine. Wallé, ça c'est la vis. Merci les frérots. Hop là, ça fait plaisir. Et il y en a une autre par ici. Hop là, et hop là. Voilà, on va se faire... Voilà, comme ça, il y a un max de graines. Et dans une autre partie, on pourra directement venir ici. C'est ça qui est bien. Eh les loups, là. Cassez-vous. Voilà, en plus, ils sont noyés. Allez, on va aller dans la ville un petit peu, là. Et hop là. Je suis perché. Oh, attendez, il y a un mec. Attendez, il y a un mec, là. Il est où le monsieur là? Ah salut frérot! Attends, reviens! Attends frérot, reviens! Reviens frérot, reviens! Voilà, nickel! ça fait pas mal de reviens quand même, hein! Hop là, donc, ah ouais, ça c'est vrai! Ah punaise, mais du coup c'est pas de la popo ça! Et il me faudrait tellement des popos là! Ah ouais, il me faudrait tellement une popo là! Ah s'il te plaît, donne-moi une popo frérot! Comme par hasard, il avait pas de popo le monsieur! Alors donc on disait, alors qu'est-ce qu'il a comme arme? Bon, il a à peu près la même chose que moi en fait! Ouais, on avait à peu près le même stuff! Du coup, un petit peu déçu en fait! T'es les loups là, cassez-vous, ils veulent mon cul. Bonsoir, je vais prendre le bus. Hop là, nickel. Plus ce qui est bien avec les bus, c'est qu'ils ont du boost en fait. Tu. Oh, putain, je me suis pris une balle de snipe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Attendez, c'est quoi cette lumière là? Attendez, on va suivre ça. Attendez, c'est quoi cette lumière là? What? C'est Flash qui est passé là ou quoi? Le bambou là. Y'a Flash McQueen qui est passé là, vraiment c'est... Y'a Flash de l'univers d'ici qui est arrivé là. Ah, il y a un monsieur. Attends, on va aller le voir quand même. Wow, d'accord, il y a plusieurs monsieur. Très bien, j'ai rien dit. Hop là, salut frérot. What? Quoi? Mais il avait une arme de merde. Mais what? Avec un simple fusil à pompe à deux coups, il a réussi à me défoncer. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais attendez, mais il y a eu un bug là. Mais monsieur, les développeurs là, mais j'avais une arme bleue et moi j'ai fait quoi? J'ai fait deux dommages alors que j'ai mis 4 balles dans son coccyx et lui il m'a mis quoi? Une balle sur le pied, je suis mort. Non mais attendez, c'est une honte. Non mais là par contre c'est une honte. Mais c'est le foutage de gueule. Mais en quel honneur? Mais je rage pas, ok? Non mais c'est n'importe quoi. Non mais là remboursé, wesh. Mais remboursé, mais attendez, mais c'est un M-Bot, je triche ce mec là. Mais what? Mais regardez, en plus il a une boîte de conserve à la place du dos là. Et c'est une boîte de haricots là. Mais c'est n'importe quoi, c'est surgelé. Et Philippe Etchebest, il serait vraiment pas impressionné, hein. Non mais au secours, wesh. Je vais vous niquer toi. Il est bon mon bâtonnet, hein. Bref, sur ce, j'ai réalisé mon rêve. Je suis devenu jardinier. Yes!